muffins. Oui, comme tu vas à Saint-Hyacinthe, j'ai pensé préparer une boîte de gâterie pour Jean-René. Oh, c'est plate, j'y vais plus. Comment ça? Oh, il y a trop de travail à la clinique. Je pars pas. Oh, c'est de valeur. Je trouvais que c'était une très bonne idée que tu fasses une surprise à Jean-René. Je suis pas sûre du tout que ça lui aurait fait plaisir. Ben voyons donc. Pas mettre les choses plus noires que ça. Jean-René, il s'ennuie de toi, j'en suis certaine. Albertine, s'il s'ennuyait tant que ça, là, il viendrait les fins de semaine. Oh, mais il y a beaucoup d'études, hein? C'est pas facile pour lui. Probablement, oui. Écoute, je veux pas prendre son bord à tout prix, tu sais. Je le sais qu'il te fait beaucoup de peine, puis moi, je me sens bien mal. Hein? Vous êtes pas responsable de ce qui se passe. Oui, mais qu'est-ce qui se passe d'abord? Le sais-tu? Puis pourquoi tu y vas pas? Louis a offert de t'amener. Ça serait l'occasion jamais de le savoir. Appelez ça de l'intuition ou ce que vous voulez, là. Mais je pense que ce serait pas une bonne idée que je retentisse à Saint-Hyacinthe sans l'avertir. T'as peur de quoi? De la même chose que vous. T'en penses? Plus ou moins rouge qu'hier? Il me semble que c'est un peu moins pire. T'es sûr? Il me semble que le pis est plus dur. As-tu les résultats de la bactério? Non, je vais aller les voir tantôt. De toute façon, on fait juste de l'observation macroscopique des lésions. Observation macroscopique? Tu devrais pas avoir de misère avec ça. Est-ce que t'es en train de me traiter de macro, toi, là? Pas du tout. Je parlais de ton sens de l'observation. Me semble, oui. Fais pas semblant d'être insulté. Plus sérieux, mademoiselle, on a une patiente à examiner ici. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il fait encore de la fièvre? Je ne sais pas. Le thermomètre? Ben, il doit être tombé. Je le vois pas. S'il n'est pas dehors, il est en dedans. C'était le tien, non? Non, 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 non. C'était le tien. Tu vas le chercher. Pas du tout. Hey! Allez, dépêche-toi de le récupérer avant que Cayette décide de l'évacuer. Me donnes-tu 10 minutes? Je prendrai ma douche. Ouais, pas de problème. Si je peux me sauver de la réunion complètement inutile que j'ai ce matin, je vais être bien content. Simon... T'as pas de bon sens, là. T'aimes pas ça du tout, ce que tu fais. Pourquoi t'arrêtes pas? Parce que c'est payant. Bon, c'est sûr que c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, là. Non, eux autres, ils m'avaient dit que j'étais pas participé aux collections puis aux achats, mais c'est pas ça pantoute. Là, je suis gérant de magasin, puis c'est tout. Puis moi, la gestion de personnel, ça a jamais été mon fort, tu le sais. Non, moi, mes employés, je les dirige pas. Je les marie. Que je te vois, toi. Ben, il y a une couple de petites vendeuses qui sont pas payées pantoute. Si t'es pas fin avec moi, je vais le dire à mon père. Oh, oh, oh! Mais si ton père est pas fin avec moi, je vais le dire à ma mère. Je sais pas c'est lequel des deux le pire. Ah, c'est ma mère, sans aucun doute. Ouais, c'est vrai. C'est toi qui as le point. Hein? Pourvu que tu ressembles pas à ta grand-maman, toi. Ben, ta mère, là. Et comme elle est, parce que tout le monde la laisse faire. C'est comme une enfant mal élevée, ça. C'est pas génétique, son comportement. Donc, c'est pas héréditaire. Phew! Tu me rassures. De toute façon, côté comportement, ma fille et mon portrait tout craché. Tu non, je dis ça. Mais non, c'est à moi qu'elle ressemble. Regarde comme il faut, là. Ouais. C'est vrai que affalée comme ça au milieu du salon, vous ressemblez pas mal. Je suis pas affalée, là. Je joue avec ma fille. Hey, va prendre ta douche, toi. Faudrait quand même pas que je sois trop en retard. J'y vais. Bonjour. Bonjour, docteur Constantin. Ah, le fond de culotte, as-tu déjà mangé tous les biscuits? J'en ai pas fait aujourd'hui. Il me semble que t'en fais moins souvent qu'avant, ça se peut-tu? J'en fais pas les journées où le docteur Jobek travaille. Bon, donc, Pamela, tu trouves pas ça un petit peu bébé comme attitude? Oui, oui, mais ça me garde jeune. Oui, ben ça, il est un petit peu trop tard pour ça. Non, mais je veux dire, ça te donne rien de faire ça. Puis, tu devrais faire un effort pour l'intégrer aussi. Pourquoi?
Vous voulez pas dire que vous allez l'engager pour vrai? Non, mais pendant qu'elle est ici, ce serait mieux qu'on travaille dans la joie, tous ensemble. Alléluia! Elle est bien moins pire que tu penses. Tu devrais arrêter de la boycotter, tu pourrais l'apprécier à sa juste valeur. Pascal, il faut que je te parle. Je considère que je me suis assez exercée sur des animaux morts. Il serait temps que tu me fasses confiance un peu et que tu me permettes de travailler sur du vivant. Alors, je sais qu'il y a une hystérochat ce matin, je veux la faire. Ben voyons donc, Marlène. Je me sens boycottée. Comment veux-tu m'apprécier à ma juste valeur si tu me permets pas de te montrer ce que je vaux? Veux-tu, Marlène, on en reparlera tantôt. Je peux bien en reparler si tu veux, mais je ne changerai pas d'avis. Tous dans la joie. Alléluia. Que tu fais ici? Toi, t'es pas à Saint-Hyacinthe? Ben non, Louis a pas besoin de moi, puis je vais être plus utile ici. Oui, c'est sûr, si la bouchère du quartier passe à l'attaque. Oh, toi, des fois, tu vas trop loin. Bon, écoute, pendant que t'es ici, là, tu vas te rendre utile. Je vais aller préparer l'hystéro, puis tu me rejoindras. Veux-tu un café? Oh non, merci. Mais, je me ferais bien tirer aux cartes si t'as le temps. T'es sûre? Oui. Mais regarde ce maquillage-là, c'est-tu assez beau? Mm-hmm. C'est ça que ça nous prendrait, hein? Très métallique avec les lèvres accentuées. Ouais. C'est qui a fait ça? France. Oh, ben je peux l'appeler, je la connais un peu. C'est libre. Ouais, puis dans nos moyens. Ouais, dans nos moyens. Hein. On pourrait l'engager pour faire le défilé. Oh, ça serait trippant. Oh! Puis Pierre pour la coiffeuse. Ah, oh, ben lui, il coûte cher. Ah, oh, oui, mais il est bon. Ouais. OK. France pour le maquillage. Pierre coiffure. Jean-Philippe les photos. Ah, ben non. On va prendre Gabriel à une charge bien moins chère. Non. Non, non, je veux Jean-Philippe. Non, il est plus habitué que Gabriel pour les défilés. Mais voyons donc, elle nous a toujours fait du bon travail. Puis avec ce qu'on va économiser, là, on va pouvoir peut-être se payer un concepteur pour nos décors. Ouais, moi, j'avais bien aimé ce qu'Antoine nous avait fait pour les vitrines, là. Peut-être qu'il sera encore capable de nous aider. Comme ça, on pourrait sauver sur la conception, puis ça nous permettrait d'engager Jean-Philippe. C'est quoi le trip, là, avec Jean-Philippe? J'ai le goût de le voir. Ben oui, mais faut prendre un café avec, d'abord. Non, 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 j'aime mieux travailler avec lui quelques jours, là. Pourquoi? Mais j'ai besoin de te faire un dessin, je suis en manque. Oh. Je me vois mal l'appeler pour lui demander s'il a le goût de passer la nuit avec moi, tandis que si je le vois 3-4 jours par affaire... Depuis quand tu prends des détours avec les hommes, toi? Isabelle, je suis rouillée. Ça fait une éternité que j'ai pas croisé. Puis je me sens pas assez sûre de moi pour l'approche directe. Ben oui, il y a peut-être une blonde. Non, 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 je me suis renseignée. Moi, je suis pas sûre c'est une bonne idée, moi. Non, non, tu vas être distraite, là, puis je vais être prise avec tout le défilé sur les bras. Non, non, non. Isabelle. Non. Isabelle dit oui. Non. Isabelle, envoie, Isabelle. Mes hormones calmées, là, je vais être super efficace. T'es mieux. Jean-Philippe! Je vois une belle nouvelle d'argent. Puis une sortie, oh, une belle sortie à part de ça. Peut-être même un petit voyage. Ah, conflit au travail, mais ça... Mes amours, tu m'as rien dit, là, au sujet de Jean-René et moi. Mais là, c'est parce que c'est pas clair. C'est sûr que je vois un éloignement, mais ça, c'est normal, il reste à 100 km d'ici. C'est pas si loin que ça, Saint-Hyacinthe. La cartomancie, c'est pas une science exacte. 50 ou 100 km dans les cartes, c'est pareil, hein? Tu vas avoir des nouvelles d'une amie que t'as pas vue depuis bien longtemps. Ce que je veux savoir, là, c'est si ça va aller mieux entre nous deux. Les cartes, elles parlent de ce qu'elles veulent. Elles sont pas capables de répondre à une question précise. Je pense que toi aussi, tu parles de ce que tu veux, hein? C'est-tu si pire que ça, ce que tu vois? Oh, je vois rien. Je te connais trop. Puis ça me met tout à l'envers, là, puis ça embrouille tout. Rien d'artifice. Merci quand même. Faut pas remercier, ça porte malheur. Qu'est-ce que t'attends pour aller en chirurgie? J'ai endormi le chat avec Marlène, elle est en train de le préparer. Tu vas aller l'assister. Vous la laissez opérer la chatte de Madame Drolet? Ben oui, une hystéro-chatte qui a jamais eu de bébé, c'est pas la fin du monde. Ben oui, mais je pensais que c'était vous qui étiez pour la faire. Je l'ai aidée dans les chirurgies qu'elle a fait sur les animaux euthanasiés, là. Elle est pas prête à opérer un animal de client. T'exagères. Mais pas du tout. Et puis je refuse de l'assister. C'est pas professionnel du tout ce que vous faites. C'est moi qui ai admis cet animal-là hier et j'ai promis à la propriétaire d'en prendre bien soin. Je suis pas d'accord du tout avec ce qui se passe et je refuse d'être mêlée à ça. Depuis quand tu me parles de même, toi?
Je ne veux pas l'assister. Un vétérinaire, là, ce serait bien mieux. Ouais. T'as peut-être raison. Mais si je l'assiste, tu vas t'occuper de l'anesthésie? Oui. Avec plaisir. Et je veux voir les yeux quand elle va essayer de trouver l'utérus. Bon. Oui, bien sûr. Non, je sais que dans la jurisprudence... Mais il me semble que c'est quand même pas beaucoup. Non, je suis certaine qu'on peut avoir plus. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais là? Où est le chat? Attends une minute. Il est dans la salle. Ah, elle l'a laissé toute seule. Oh. Raccroche. Non, mais c'est important. Raccroche tout de suite! Bon. Excuse-moi, là, j'ai un petit détail à régler. Je te rappelle tantôt, hein? Bye. Qu'est-ce qui se passe encore? T'as laissé un animal anesthésié sans surveillance. C'était pas pour longtemps, j'avais juste un petit téléphone à faire et puis je savais que tu t'en venais. Ça se fait pas, jamais. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour surveiller un animal endormi. L'anesthésie était au plus bas. Au plus bas ou au plus haut, je m'en fiche. Il y a des animaux qui réagissent mal à l'anesthésie. Ok, ok, calme-toi. J'ai pas tué personne. Oh, Madame Simard, comment allez-vous? Ah, ça va, ça va. Est-ce que la petite est ici? Ah oui, Ada. Ah, tant mieux. Enfin, je veux dire tant mieux pour toi. Tu peux te reposer, hein? Alors, j'ai un cadeau pour elle. Un cadeau? Oui, en réalité, c'est un cadeau pour son avenir. Je lui ai ouvert un compte pour ses études. Ça s'appelle un régime enregistré d'épargne-études. Et je vais déposer 2000 $ par année dans ce compte-là. De cette façon-là, ses études collégiales et universitaires vont être assurées. Oh, mais c'est vraiment gentil à vous. Mais c'est beaucoup. Simon et moi, on va sûrement pouvoir lui payer des études. Ah ben, j'en doute pas. Hein. Mais c'est au cas où. Au cas où quoi? Au cas où, enfin, je sais pas moi, au cas où. Mettons que vous êtes plus ensemble, hein? Avec la pension alimentaire que Simon va devoir te payer, il pourra pas mettre d'argent de côté pour sa fille. Ben, au cas où, je sais pas, là, tu peux devenir invalide, tiens. Ou bien retourner en Chine, ça peut, tout peut arriver dans la vie. Je suis québécoise, Madame Simard. Oui, ben de toute façon, là, vous pouvez pas refuser, c'est fait, c'est signé. Et l'argent ne peut pas sortir du compte avant que... Comment vous l'appelez déjà, là? Van. Oui, oui. Mais c'est-tu épouvantable? Mais moi, je veux bien respecter vos coutumes. As-tu pensé à cet enfant-là? Elle va faire rire d'elle sans bon sens. Van. Pourquoi va l'appeler Camion, tant qu'à y être? C'est un très joli nom et tous les noms peuvent être déformés de toute façon. Moi, je connais plein de monde qui appelle Simon Olivier SOS. Oui, ça, je le sais. Même son père le fait. Enfin, et toi? Quand est-ce que tu retournes travailler? Et Simon Olivier peut pas te faire vivre éternellement, hein? Son père et moi, on veut bien vous rendre service, mais il faut que chacun fasse sa part. J'ai l'intention de profiter de Van encore un peu. Ah, ben. Simon est d'accord. Fais pas la même erreur que moi. J'aurais pu avoir une très belle carrière, tu sais. Hein? Mais j'ai tout sacrifié pour ma famille, alors ils sont pas plus reconnaissants pour autant. Prendriez-vous une tisane? As-tu du café? Je manque un peu d'énergie ce matin. Une chance. Je suis pas sûr que je vais aimer ça, moi. Pourquoi? Je sais pas. Il me semble que je vais être sans dessin là-dedans. Je manque de souplesse d'un doigt. Il nous reste encore quelques mois avant de commencer. Ça va nous laisser le temps d'améliorer ta dextérité fine. Nous? Oui, nous. On forme une équipe, oui ou non? Hein? Quel genre de travaux que t'as en tête, toi, là? Bof, pas vraiment des travaux. Plutôt... des préliminaires ou des fantasmes. Oh, vivement les travaux pratiques. Tu vas voir, tu vas devenir le meilleur chirurgien que la faculté ait jamais formé. Hey, justement, on a une espèce de période libre là, cet après-midi. On pourrait peut-être aller à l'appartement, puis je sais pas, moi, pratiquer ma dextérité. Oh, faudrait au moins que j'aille un peu à la bibliothèque. T'es trop sérieuse. T'as pas ça quand je m'arrête? Bien sûr. Non, je te dis que c'est vraiment très, très, très intéressant. Jean-René? Louis, qu'est-ce que tu fais là? J'ai référé un cas en ophtalmo, puis Michel m'a permis d'assister à la chirurgie. Ah, c'est le fun? Ben oui, oui. Louis, je te présente Sarah. Sarah, c'est le docteur Martineau, un des vétérinaires avec qui je travaille à la clinique. Enchanté. Enchanté.
Bon, je vais aller voir comment se passe l'anesthésie. Tu nous rejoins? Oui, j'arrive. Comment ça va, toi? T'as pas de cours, là? Non, pas pour l'instant. Dans une heure, on s'en va en nutrition, là. Ah, avec le docteur Barrett. Oui. Il est super bon, lui. Oh, oui. Je vais aller voir s'ils ont les résultats en bactériaux pour la vache. Mm-hmm. Salut. Bonjour, là. Tu viendras me rejoindre dans les petits animaux après tes cours, OK? On ira dîner. Ça marche. C'est pas prêt. Tu parles tout le monde bad luck. Toi? Que Louis nous a vus? Oui. C'était dû pour arriver d'une façon ou d'une autre. Le milieu vétérinaire est pas très grand. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un à quelque part. J'aurais dû faire plus attention. Non. Tu devrais le dire à Marjolaine avant qu'elle l'apprenne de quelqu'un d'autre. Je le sais. Claude, je savais pas que t'avais l'intention de venir ici aujourd'hui. Mais je m'ennuyais trop de toi. Chanteur de pommes. Je suis certaine qu'il y a une autre raison. C'est vrai. Je voulais profiter du fait que Marlène est ici pour la voir un peu. Hey, je m'ennuie d'elle, moi. Je l'ai pas vue depuis le congrès, tu sais. Toi, là, tu veux me faire étriver. Oui. Puis qu'est-ce que tu préfères, te faire chanter la pomme ou me te faire étriver? Marlène, les deux, normalement. Mais là, tout ce qui concerne Marlène, c'est ça, ça me tombe sur les nerfs. Ça va pas mieux? Non, il est arrogante, hypocrite, puis totalement incompétente. Toi, t'es totalement objective, ça c'est certain. Oui, c'est sûr que je suis objective. Va voir si tu veux. Elle est en chirurgie présentement pour une hystérocha. Ah, je préfère ne pas m'en mêler, moi. Non, je suis venu préparer ma chronique, j'ai besoin de consulter des revues qu'on a ici. Je savais que tu t'ennuyais pas du tout de moi. Oh, je m'ennuie toujours de toi. Colle ton crochet le long de la paroi. Mm-hmm. Puis tourne-le seulement quand t'es rendu à peu près au milieu de l'abdomen. Mm-hmm. Ça se peut pas que tu trouves pas la corne utérine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, il me semble que je l'ai. Oh, merde, c'est encore une anse intestinale. Laisse-moi faire. Non, il faut absolument que je la trouve moi-même. Si j'ouvrais un peu plus... Ben non! L'incision est déjà deux fois trop grande. Bon, écoute, là. Je te laisse encore 5 minutes si tu veux pas trouver. Je prends ta place. Franchement, tu m'aides beaucoup. Je suis déjà extrêmement nerveuse et tout ce que tu trouves à faire, c'est de me rajouter un peu de pression sur les épaules. Bridasepsie. Quoi? Bridasepsie. La pompe. Oh. Faut vous changer vos gants. Oui. Laisse faire, c'est moi qui continue. Hein? Réveillé juste à temps pour dire bonjour à sa grand-mère. Ah! Mmh. T'es un beau bébé, ça, hein? Hey. Oh, fais-tu une petite risette à Muriel, hein? Mmh. Elle est mignonne, quand même, hein? Elle a une belle peau. Mais Simon était pareil. Ah! Jamais un bouton sur ce bébé-là. Une peau parfaite. Tiens, elle a des petites fossettes. Mais oui, deux petites fossettes. Sais-tu? On dirait que ses yeux sont un peu moins pires. Ça paraît pas beaucoup qu'elle est bridée. Hein, à peine? Ah, à l'adolescence, si jamais elle a vu une chirurgie plastique, je peux y arranger ça, ça paraîtra même plus. Est-ce que vous vous rendez compte, Mme Simard, que c'est extrêmement blessant ce que vous êtes en train de dire? Mais je dis pas ça pour t'insulter, mais tu devrais reconnaître que faire partie d'une minorité visible, ça aide personne. Hein? Je vais mettre toutes les chances de son côté, moi. Et là, ça va faire. Je sais pas dans quel monde vous vivez, mais l'époque où Montréal avait une population blanche homogène est finie depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a des gens de toutes les origines, des métissages de toutes sortes, et c'est pour le mieux. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Oui, et je vous laisserai pas dire autre chose à ma fille. Van a toutes les raisons d'être fière de ses origines. Je vous laisserai pas dénigrer son héritage vietnamien. Mais c'est pas ça, mais je trouve ça très intéressant, votre héritage et vos coutumes, et votre cuisine même. Mais je veux mieux que ça pour ma petite fille. Je veux qu'elle puisse faire partie de la meilleure société sans aucun complexe. Mais elle en aura pas de complexe si personne lui fait sentir qu'elle devrait en avoir. Mais justement, avec les yeux bridés comme ça, ça va arriver. Les gens sont tellement bornés que... Mais c'est vous qui êtes bornée, Mme Simard. Bornée et raciste. Je veux plus entendre aucune allusion au teint ou aux yeux de ma fille. Van possède du sang vietnamien, elle le tient de moi, sa mère, puis elle va en être fière comme je le suis. Je m'excuse, mais je te trouve extrêmement susceptible et insultante. Je ne suis pas bornée et encore moins raciste. C'est toi qui comprends tout de travers. Non, je pense pas. Je veux que vous partiez. Pardon?
Tu me mets à la porte de chez mon fils? Je vais même vous l'ouvrir. Ça se passera pas comme ça. Je te remercie, Pascal. Je te remercie beaucoup. Marlène. C'est sûr que c'est en me jetant dehors de ta salle de chirurgie que je vais devenir bonne. J'aime beaucoup ta façon de me donner confiance en moi. C'est du grand art. Écoute, je veux bien te donner toutes les chances, mais ça faisait une demi-heure que tu cherchais l'utérus. J'y serais arrivée. Si tu m'avais pas crié après, j'y serais arrivée. Tu m'as stressée. Moi, crier? J'ai pas dit un mot. Je t'entendais penser. Tes soupirs d'impatience étaient exaspérants. Bon, tu sais que la patience n'est pas ma vertu principale. Tu remplis pas ta part de l'entente. Je suis extrêmement déçue. J'étais convaincue que tu étais prêt à m'aider. Ça fait 2 semaines que je travaille ici gratuitement. En contrepartie, je m'attends à recevoir une formation valable. J'ai pas encore fait une seule chirurgie de routine. J'ose même pas imaginer quand tu vas me confier quelque chose d'un petit peu compliqué. Pour l'instant, tu vas faire des consultations. Mais je fais rien que ça, des consultations. Mais c'est une grande partie du travail de vétérinaire. D'ailleurs, pourquoi tu te concentrerais pas uniquement sur ça? Faire des examens, poser des diagnostics, rassurer les clients, tu serais bonne. Là, Pascal, tu dépasses les bornes. Si tu veux plus faire de chirurgie avec moi, libre à toi, mais moi, je n'arrêterai pas certain. Elle risque d'être encore plus déçue. Louis et Maud ne voudront jamais travailler avec elle. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? C'est gratuit. Comment va le chat? Elle se réveille tranquillement. Disons qu'elle risque d'avoir mal au ventre pendant une couple de jours. Prends-en bien soin. Hein? C'est ma job et je la fais bien. Ah, docteur Dufour. Ah, bonjour, Pascal. As-tu besoin du bureau? Parce que je peux aller continuer à la maison, moi, là, j'ai trouvé l'article que je cherchais. Non, non, je veux juste me calmer un peu. Ça va pas? Non, ça va pas. Ça va pas pantoute. J'ai fait une grosse erreur. J'aurais jamais dû prendre Marlène en stage. J'ai voulu damer le pion à Étienne Raymond, puis là, je paye pour. Elle est dangereuse, hein? Elle devrait pas pratiquer. Eh bien, dis-lui. Tu vas lui rendre service, puis tu vas rendre service à la profession. Ah, c'est pas facile. J'étais tellement content de lui rendre service. C'est une amie. Puis comme j'en ai pas tant que ça... Là, si en plus, je lui dis ce que je pense vraiment d'elle en tant que praticienne, là, ça va être fini, elle voudra plus jamais me parler de toute sa vie. Je pense quand même qu'il faut que tu le fasses. Ah, ce sera pas facile de réaliser qu'elle peut pas pratiquer. Mais c'est quand même moins pire que de passer le reste de sa carrière à se sentir incompétente. Hein? Ah ouais. Vous auriez dû la voir en chirurgie tantôt. Elle s'acharnait à essayer de trouver l'utérus, le gigogo. Oh, j'ai tellement mal au ventre pour le chose. Si t'as mal à l'utérus, c'est que ça va mal. C'est pas drôle, docteur Dufour. Excuse-moi. C'est pas drôle du tout. Excuse-moi. Je sais plus quoi faire. Je peux pas la laisser opérer sur les animaux des clients, puis elle veut plus s'exercer sur les animaux euthanasiés. Vous, là, vous avez tellement le tour. Parlez-y donc. Oui, mais moi, je l'ai jamais vu pratiquer. Tout ce que je vais pouvoir lui dire, c'est ce que les autres m'ont rapporté. Puis ça, c'est bien pire que si c'est toi qui lui parles. En ami. Ouais. En tout cas, c'est la dernière fois que je me laisse embarquer dans une histoire à Étienne Raymond. Oh, oh, oh. Si tu m'avais donné 100 piastres à chaque fois que tu m'as dit ça, toi, je serais riche aujourd'hui. Ben, on devrait aller du manteau à la robe. Ça, ça serait plus logique. Ah, je suis tannée d'être logique. Non, on devrait, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si t'entends dire que t'es tannée d'être logique, c'est pas ça... Bon, très drôle. J'ai ma logique à moi, tu sauras. Hein? Ouais, c'est ça. Pas en plus d'être logique, là, je suis un génie parce que j'ai une idée géniale. Écoute bien, on commence par le manteau, hein? Mm-hmm. En dessous du manteau, il y a le tailleur. Hein? Ouais. Regarde. Là, le mannequin s'avance sur une musique de blues, OK? Elle enlève le manteau. On voit le tailleur, OK? Là, elle enlève la veste. On voit la blouse. Tu me suis, tu sais, sur une musique de blues, là, un striptease sensuel. Ben, à la limite, on se rend jusqu'à la lingerie. Hey. Oui, on a quelque chose, là. Mais là, on peut pas faire ça pour tous les modèles, on vendrait le punch. Non, j'ai. Mais 3-4 fois pendant le défilé, puis on essaye de trouver un élément surprenant à chaque fois. Oui, attends.
La dernière qui défile, c'est un gars. Elle enlève tout, puis ses faussaires restent poignées dans la blouse. Génial! Si on fait pas parler de nous autres avec ça. Oh, salut! Salut, mon petit pote. Tout arrive juste à temps pour nous dire à quel point on est brillante. Ça va me faire plaisir. On prépare le nouveau défilé. On a besoin de ton avis. OK. Au lieu de présenter un défilé traditionnel, Jasmine nous propose un striptease. Un striptease? Oui, un striptease. C'est même toi qui vas choisir les mannequins. T'es plus doué que nous autres pour ça. Sauf pour le gars. Ouais. Le gars... Ben, il va y avoir un travesti, tu sais. Ben, à la fin, il va enlever ses faux seins. OK, un travesti, là. T'es sûr de ça, là? Ben, pas encore, ben, tu sais, le concept est à travailler, mais il y a un début, hein? Ouais. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ah, je pensais par hasard, je m'en vais vous dire à quel point je m'ennuyais de vous autres. Mais là... Mais là, quoi? Mais là, là, je m'ennuie en maudit de vous autres puis de vos niaiseries. Ah, ils sont tous ennuyés, mon petit pote. Simon, je suis contente que tu sois là. Il faut que tu demandes le divorce. Non, mais elle m'a traité de borné et de raciste, moi! Moi qui donne toujours de l'argent pour les races défavorisées. C'est vrai, ça? La quantité de Chinois que j'ai acheté quand j'étais petite... Elle pourrait être un peu reconnaissante. Elle est vietnamienne. Ah oui? Mais tu pourrais peut-être lui rappeler, parce qu'elle est convaincue qu'elle est québécoise. Oui, mais elle est québécoise aussi. Mais là, tu peux pas être de 8 nationalités différentes en même temps, hein? Faudrait qu'elle se décide. Mais si elle s'assumait aussi, elle se sentirait moins menacée quand ce qu'on lui dit fait pas son affaire. Qu'est-ce que tu y as dit? C'est ça le pire, c'est que j'ai rien dit de particulier. Bon, j'étais juste passée pour lui dire que j'avais ouvert un compte à CAM pour ses études. Van. Ma petite fille s'appelle Van. Puis c'est sûrement pas pour ça que Kim t'a traité de borné. Hein? Tu pourrais dire merci. Pourquoi? Mais pour le compte. Malgré tout ce qui va lui arriver, ma petite fille va pouvoir faire de grandes études. J'ai fait la même chose pour Raphaël. Merci. Bon, tu vois, c'est pas dur savoir vivre. Bon, on reçoit un cadeau, on dit merci. Je l'aurais accepté dans sa langue même. C'est quoi, là? De mot à arigato? Non, c'est muchas gracias. Maman, je sais pas. Je sais pas ce que t'as fait, là. Mais je connais très bien Kim. Puis si vraiment t'as mis dehors, c'est parce que tu l'as poussée à bout. T'aurais jamais dû la marier. Hein? Je t'avais pourtant averti. Elle se rend pas compte de ce qu'elle va faire subir à cette pauvre enfant. L'isolement, le manque de respect, les insultes. Et de quoi? De quoi tu parles? J'ai suggéré que Van, là, on se fasse un peu arrondir les yeux à l'adolescence. J'en ai parlé à mon plasticien. Non, et non, t'as pas fait ça! Mais quoi? Je vais payer! C'est pas si dispendieux, d'ailleurs. Et mon plasticien... On s'en sac de ton plasticien! C'est... Je me suis toujours attendue à tout, toi, mais là, vraiment, tu t'es surpassée. Bon, je vais aller voir Kim. Bonne idée, j'espère que tu vas lui parler. Je suis très insultée. Et avant que je remette les pieds chez vous... Ben, hein? C'est ça, remets plus les pieds chez nous, OK? Je veux plus jamais te voir. Jamais! Oh, ben là, vraiment, là, j'en reviens pas. Mais quoi? Vous êtes ici, là, vous trouvez que c'est moi qui ai tort? J'ai toujours pensé que tu jouais un rôle, puis que t'étais pas aussi épaisse que t'en avais l'air. Je me suis trompée. Bon, c'est ça, insulte-moi toi aussi. C'est vraiment pas ma journée, moi. Va te faire un manicure, ça va te replacer. Docteur Jobin, votre consultation est arrivée. Ce sera pas long, monsieur. Monsieur Cadieux? Entrez. Je vous rejoins tout de suite. Pamela, t'es une femme intelligente. Tu t'es probablement rendu compte que je suis pas très à l'aise avec les gros chiens. Vraiment? Je veux pas remarquer. Ça m'étonnerait. C'est une clinique située en pleine ville, ici. La proportion de gros chiens ne devrait pas dépasser 20 % de la clientèle. Or, quand c'est toi qui prends les rendez-vous pour mes consultations, je reçois près de 100 % de gros chiens. C'est bizarre, non? Vraiment. J'avais pas remarqué. Écoute, si tu veux me démontrer ton importance, ici, et me prouver que tu peux me rendre la vie misérable, eh bien, c'est réussi, tu peux arrêter. J'ai pas envie. Parfait. Je vais devoir me plaindre de ton attitude à Pascal. Faites donc ça, mais après votre consultation. C'est pas très professionnel de faire attendre
un beau gros chien. Oh, puis vous regarderez dans le dossier, il y a une note. Il est un peu imprévisible. Ça va, Kim? Je viens de parler à Muriel, là. Je suis désolé. Est-ce que t'as raconté tout ce qu'elle m'a dit? Elle a tout le temps été dérangée. Écoute, elle est en thérapie depuis qu'elle s'est marchée. La plupart du temps, elle sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Et tu le sais, ça, Simon. Elle peut bien me dire n'importe quoi à moi, ta mère. Je m'en fiche complètement. Mais pas à ma fille. Là, c'est pas si grave. Mais quand elle va avoir 3 ans ou 10 ans ou à l'adolescence, là, quand elle va comprendre, qu'est-ce que tu penses que ça va lui faire que sa grand-mère lui propose une chirurgie pour se faire débrider les yeux? Elle va oublier ça, là. C'est moi qui te le dis. Là, j'y ai dit que je voulais plus qu'elle remette les pieds ici, puis elle va m'écouter. On n'a pas besoin d'elle. C'est ridicule, là, Simon. On va pas empêcher Van de voir sa grand-mère juste parce qu'elle est un peu... Tarte? Oui. Non. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Oui, mais moi, c'est ça que je voulais dire. Puis t'as raison. Tant qu'elle disait des niaiseries sans importance, là, c'était correct. On pouvait en rire. Mais là, elle dépasse les bornes. Elle m'insulte, elle insulte ma famille. Je t'aime, puis j'aime ma fille. Puis c'est pas ma mère qui va venir mettre le bordel là-dedans. J'aurais peut-être pas dû réagir au fond. Non, t'as bien fait de la mettre dehors. Je pensais jamais faire ça de ma vie. Hey, c'était correct. Oh, Simon. Est-ce que tu penses, toi, qu'avoir les yeux bridés, ça va lui nuire? Oui, non. Est-ce que ça t'a nui à toi? Est-ce que ça t'a empêché de faire ce que tu voulais? Ça t'a-tu empêché d'être heureuse? Hey, non, mais... Non. Oublie ça. Mais certain, je vais oublier ça. Toi aussi, tu vas oublier ça. OK? C'est ce qui est arrivé de plus beau dans ma vie. Puis Van, c'est le plus beau bébé du monde. Puis elle va devenir quelqu'un d'exceptionnel parce que elle a des parents exceptionnels. Je t'aime, Kim. Je t'aime aussi. Puis c'est vrai que Van va devenir quelqu'un d'exceptionnel. Oh, c'est ça que j'ai plein de temps. Ouais, avec tout ce que ça va coûter à sa grand-mère pour ses études, là. Qu'est-ce que tu penses de Harvard, toi? Excuse-moi, c'était plus long que je pensais. Mais moi, on dit que c'est beau de voir aller Michel. Hey, on n'aura pas le temps d'aller manger au restaurant, hein? Ben, moi, en tout cas, j'aurais pas le temps, mais toi, si tu veux y aller... Ah, non. Il y a des sandwichs dans les machines. Ah, ben, il y a rien de vraiment végétarien là-dedans, là. Tu me donneras ta tranche de jambon, hein? Jean-René, il faut qu'on se parle. J'ai pas vraiment le goût. Je m'en doute. Non, je voulais juste te dire que Marjolaine a failli venir avec moi matin. Ça aurait été beau, hein? T'es-tu sérieux? Très sérieux. Écoute, tu mènes ta vie comme tu veux, là. Mais si tu l'aimes plus, niaise la pas, OK? C'est pas si simple que ça. Sûrement pas. J'aimerais pas ça être dans tes culottes. J'aimerais mieux pas être là, moi non plus. Je pensais jamais me retrouver dans une histoire comme ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça écœurant, les gars qui faisaient ça. Puis là, ben. Il n'y a pas 12 000 façons de t'en sortir. Il faut que tu lui dises avant qu'elle la prenne par quelqu'un d'autre. Elle a plein d'amis techniciennes ici. Non, il n'y a rien de plus humiliant que de réaliser que tout le monde autour a appris avant toi que t'es cocu. Penses-tu que je le sais pas, Louis? En veux-tu un sandwich? Non. Merci. Je vois l'édème pulmonaire, mais pas la dilatation cardiaque. Oui, bon. Regarde un petit peu la courbe du ventricule, là. Mm-hmm. Mm-hmm. Bon, c'est sûr que bon, c'est un petit peu effacé, là, à cause de l'édème pulmonaire, justement. Mais, bon. Qui a admis ce chien-là? C'est moi. Oui, le client trouve qu'il bave trop. Je veux que Maude l'examine demain pour voir si une chirurgie vaut la peine. Mm. L'avez-vous examiné? Il est plein de puces. Lola, je vais devoir désinfecter tout le chenil puis faire un traitement à tous les animaux. Comme c'était plutôt un cas de chirurgie, j'ai pas fait d'examen approfondi. Mais ça prend pas un examen approfondi pour trouver des puces. On n'admet jamais un animal sans l'avoir examiné avant. S'il y a une maladie contagieuse, il va contaminer tous les autres animaux. Pascal, tu le sais que j'ai de la misère avec les gros chiens. Et puis Pamela, là, elle fait exprès pour me donner les pires en consultation. Ça change rien.
Tu t'es comporté de façon tout à fait irresponsable. Faire un bon examen avant d'hospitaliser un animal, c'est la base. À cause de toi, là, le chenil est infesté de puces. Heureusement que Marjolaine s'en est aperçue. De quoi on aurait l'air, nous autres, si nos animaux avaient des puces ici? Je vais aller le nettoyer, le chenil. Non, laisse faire Marjolaine, au moins je suis sûr que... T'es sûr de quoi? Je suis sûr que ça va être fait comme du monde. Je suis même pas assez bonne pour torcher le chenil. Non, mais dis-le que tu me trouves nulle. Je suis pourrie en chirurgie. Je vois rien dans les radios. Je vaux rien non plus en consultation. Et je ne peux même pas passer la mop. Moi, à place de Kim, je pense que je l'aurais tué. S'il fallait que quelqu'un parle comme ça de Juliette. Je peux me compter chanceuse que le sang italien paraisse pas de façon trop évidente. Si un jour Raphaël vient trop noir de poils, ben, on demandera à Muriel d'y payer une teinture. Hey, je te dis, elle est pas un cadeau, hein? Je vous lève mon chapeau à Simon puis à toi. Vous êtes pas mal équilibrés. Merci. Ben, on dit qu'on a toujours été deux pour faire front, hein. Je suis contente qu'il soit venu faire un tour. Excuse-moi. Ouais. Barbeau, bonjour. Oh, allô! C'est vrai? Ah, oh, ben non, hey, ça, c'est une bonne nouvelle. On est super contentes. Ah, bien sûr. OK, vers 6 heures? OK, ça marche, bye. C'était... comment il s'appelle? Jean-Philippe, là? Il va faire les photos pour le défilé. Il est super content. Puis toi, t'es super, super contente? Un peu, oui. Hey, on se voit ce soir pour en discuter. Discuter de quoi? Ben, du défilé, cette affaire. Il veut savoir ce qu'on attend de lui. Ben, on veut qu'il fasse des photos. Il me semble que c'est simple, ça. Ben, Isabelle, c'est un professionnel. Il veut qu'on soit pleinement satisfaite. Mm-hmm. Pleinement satisfaite. Oui. Il est mieux d'être en forme. Je savais même pas que Marjolaine aimait ça, la danse. Ben, je comprends. Elle a même suivi des cours pendant plusieurs années. Oh, vous devriez voir ses photos en ballerine. Vous lui demanderez de vous les montrer. C'est une bonne idée de la sortir. Ça va y faire du bien. Ouais. Elle n'a pas tellement l'air en forme de ce temps-ci. Hein? Faut dire que le climat de la clinique est pas fameux depuis qu'on a notre stagiaire. Oui, mais je pense que c'est pas ça qui la dérange le plus. Vous pensez à Jean-René? Oui. Il vient pratiquement plus jamais. Non, je comprends, il y a beaucoup d'études, mais il pourrait étudier à la maison. Oui. Moi non plus, je comprends pas. Puis c'est sûr que ça donne l'impression qu'il a plus du tout envie de passer du temps avec Marjolaine. Et même quand ils travaillent ici, quand ils sont ensemble, c'est plus du tout comme avant. Oh, je me sens tellement impuissante. Pensez-vous que c'est à cause de moi? Mais c'est... ça aide pas d'avoir toujours quelqu'un dans les pattes. Moi, je pense que le problème est pas là. J'ai vu dans les cartes de Marjolaine. Je pense qu'elle a une rivale sérieuse. Oui, mais sans vouloir vous insulter, là, moi, les cartes croient pas tellement à ça. Seulement, moi, je l'ai vue, la Sarah. Puis je peux vous dire que Jean-René et elle, ils ont l'air de s'entendre comme larrons en foire. Alors, c'est peut-être juste une passade? Je l'espère. Je veux pas la perdre, Marjolaine. C'est comme si c'était ma petite fille. Ben là, on n'en est pas rendu là. Et moi aussi, je trouverais ça terrible s'il se laissait. Voulez-vous un thé? Oui. Albertine? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avais envie de sortir. Alors, je nous ai réservé deux places pour le spectacle de danse moderne que t'avais tellement envie de voir. Ah oui? Ben, je pensais que vous aimiez pas ça, la danse moderne. Non, j'aime pas ça, mais si je m'endors, tu me pousseras. Bon, ben, OK. Ben, je prendrai pas de pause, d'abord. Je vais aller désinfecter le chenil. Il y a une épidémie? Oui. D'incompétence. C'est terrible, les ravages que ça peut faire. Clinique vétérinaire du Four, bonjour. Salut. Oui, elle est justement ici, à côté de moi. Je la passe tout de suite. Oui, c'est Jean-René. Allô? C'est une drôle de coïncidence que tu m'appelles. Albertine est justement ici. Ah oui, on va sortir ensemble ce soir. Oui. Oui. OK. OK, c'est beau. Tu vas arriver vendredi. OK, c'est beau. Bye. Il vient passer la fin de semaine à la maison? Je pense pas. Il veut qu'on se rencontre vendredi soir.
il veut me parler. Je vais aller finir le chenil. C'est le fun quand on prend congé comme ça. Quelle excuse t'as donné pour faire tourner travailler? Ben, je lui dis la vérité. Urgence familiale. Urgence familiale? Mm-hmm. Tu sais, quand l'ouragan Muriel frappe, c'est toujours une situation d'urgence. Oh, arrête, là, je vais me sentir coupable. J'aurais dû prendre ça en riant. Mais si tu veux, ta mère est tellement... Tarte. On a déjà établi ça. Hey, il va falloir que tu fasses attention, toi, à la façon dont tu parles de ta mère devant Van. Ah oui? Le respect des ancêtres, c'est très important, ça, dans la culture vietnamienne. Ben oui, ma petite. T'as la chance d'avoir une grand-maman très spéciale. Une grand-maman égocentrique, complètement disjonctée. Simon Olivier. Ben quoi? Ça va prendre une couple d'années avant qu'elle comprenne le sens de ces mots-là, puis après ça, on avisera. Est-ce que je peux entrer? Je viens pour m'excuser. Non. Laisse-nous le temps d'oublier un petit peu tes niaiseries, là, puis tu reviendras dans 10-15 ans. Simon, s'il te plaît. Allez, laisse-la entrer. Alors, je prendrai pas de détour, hein? La réaction de tout le monde m'a complètement bouleversée et déstabilisée, alors... J'en ai parlé à ton père, qui m'a fait réaliser que, sans le vouloir, j'avais pu être extrêmement insultante pour Kim. Alors, Kim, je m'excuse. Bon, c'est dit. Là, je t'avertis, Muriel. Tu fais une seule allusion qui risque de faire de la peine à Kim ou à Van. C'est pas des excuses qui vont te sauver. Bon, ça va, là, Simon, j'ai compris. Bon. Tu ressembles beaucoup plus à ton père que je pensais, toi. Hein? Tu réagis exactement de la même façon. J'ai pensé qu'il allait faire un infarctus quand j'ai raconté ce qui s'était passé. Et je l'ai jamais vu fâché autant que ça. Ben, il est complètement fou de la petite. Hein? Il y a même une photo d'elle dans son bureau. Il y a des gens qui demandent si elle est adoptée. Ben, c'est très à la mode, vous savez, l'adoption des petites Chinoises. Dans ces pays-là, c'est terrible. Hein? Une fille, ça vaut rien. On les abandonne n'importe où comme ça, là, sur le bord du chemin. En tout cas, moi, ces gens-là, je les comprends pas. Mais quoi? Oh, c'est pas drôle. Alors, pour me faire pardonner, je vais aller magasiner. Hein? J'ai acheté des petites choses à... Van. Bon, pour montrer que je suis fière de ses origines chinoises. Oh, asiatiques. Marlène, écoute-moi bien, Marlène. Docteur Constantin, allez-y, c'est pour le bien de toute la clinique. D'accord, 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 oui, j'y vais. Marlène, il faut que je te parle. Oh, ça va, Pascal. Non, 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 non. Laisse-moi parler. C'est pas facile, ce que j'ai à te dire. Pascal? Non. Vous aviez raison ce matin. C'est à moi de régler ça. Marlène, je voulais vraiment te rendre service. Mais c'est pas en te faisant croire que tu peux pratiquer que je vais faire ça. Non, non, non. C'est impossible. Ce n'est pas ta place. Je le sais, Pascal. Non, Marlène, je sais que c'est pas facile, OK? Qu'est-ce que tu sais? Mais que c'est pas ma place. Je suis pas folle, c'est évident. J'arrête pas de faire des gaffes. J'en ai parlé à Jean-Claude et il a eu une excellente idée. Ben oui, j'ai su que Christiane prenait sa retraite de l'ordre, alors j'ai pensé qu'un poste de relations publiques pourrait peut-être intéresser Marlène. Je rencontre les gens de l'ordre demain. Je pense que j'ai des bonnes chances d'avoir le poste. Après tout, un travail de représentante, c'est beaucoup un travail de relations publiques. Ben attends, tu... Je te remercie, Jean-Claude. T'es vraiment mon sauveur. Oh, je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Bien, Pascal... Je te redonne mon sarrau. J'en aurais plus besoin. C'est parce que... Je sais, je sais, je sais.